Mon premier souvenir de la disque, c'est les trophées qu'il y a chez nous de mon père. C'est de la regarder puis de me dire qu'un jour je rêvais à ça, puis de voir ça, puis de voir les artistes que j'admire depuis que je suis toute petite. Pour moi, c'était vraiment un méga gala d'artistes. Un gros show de télé, puis je me trouvais pas mal chanceux d'avoir le privilège d'avoir une télévision et de pouvoir regarder ça. Cette première nomination, pour moi, c'est une énorme fierté. Il y a 6 ans, je suis arrivé à Montréal avec énormément d'ambition. Aujourd'hui, j'ai fait 3 albums avec mon label. J'ai été révélation Radio-Canada Jazz. Puis cette année, je suis nominé à la disque. C'est un énorme plaisir. C'est capable. Honnêtement, là, j'ai perdu des mots. Puis j'ai juste le sourire permanent parce que j'en reviens pas d'être nommé parmi les artistes que je regarde depuis toujours. C'est comme un petit enfant à Noël en ce moment. Ça me surprit, mais c'est un beau cadeau. Écoute, une première nomination à la disque pour nous, j'y croyais plus. Ça fait depuis 2008 qu'on s'est réunis, les 4 blocs à KDO. On est vraiment, vraiment contents. 6 albums plus tard, 6 spectacles différents plus tard. On est vraiment super fiers.